pourquoi tu es monté. Tu es vraiment étrange, Maria Rosé. Très étrange, tu sais. Tu te comportes pas très bien avec moi. Pourquoi? Je suis ton mari, non? Mais toi, tu ressembles à une nonne sortie de son couvent. Je veux divorcer. Tu me l'as déjà dit. Mais j'aimerais savoir pourquoi, au bout d'un jour, voire le jour même du mariage, tu veuilles déjà divorcer. J'ai été si mauvais avec toi? C'est pas ça, mais plutôt... S'il te plaît. Je croyais que tu me ressemblais. Pas pareil, mais plus ou moins. Je sais pas pourquoi je t'ai menti, Maria Rosé. Je sais pas. Mais pourquoi tu me racontes pas? Pourquoi tu ne me dis pas? Te dire quoi? Tout. Ce que tu as sur le cœur, ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu as peur de moi ou quoi? Non. Non. Je comprends pourquoi je me suis mariée avec toi, tu sais. Parce que t'es jolie. Parce que ton regard est doux. Tendre. À travers tes yeux, je vois ton âme. Pourquoi? Tu es bien ma femme. Tu es bien amoureuse. Oui ou non? Pardon. Qui t'a permis d'entrer ici sans frapper à la porte? Fernando t'attend dans ton bureau. Et pourquoi c'est pas Ezekiel qui vient me l'annoncer? T'es venu coursier ou quoi? Je t'ai cherché dans ta chambre, j'ai supposé que tu étais ici. Sors d'ici. Sors d'ici. Et je t'interdis d'entrer dans la chambre de Maria Rosé. Pourquoi t'en fais des tonnes? Tu trouves? Tu t'immises dans mon intimité, ici c'est chez moi. C'est aussi chez moi, parce que ce sont les volontés de ton je père. Je peux en décider autrement et te fous dehors. Alexandre. Bonjour, comment tu te sens? Bien, bien. Je t'ai apporté des papiers que tu dois signer. Il faut démentir la nouvelle de ma mort. C'est ce que j'ai fait dès ce matin. J'ai parlé aux principaux journaux, je leur ai demandé de publier la nouvelle dans les brèves.